second stream dans ce jour. C'est le 31 mars, ce matin on a fait un petit stream sur Darktide, 1h30, 3 petites parties, donc je vous invite à aller regarder. Là on va partir sur Battlefield 2042, on va se tester la petite AEK qu'on s'est débloquée la dernière fois. Et c'est prévu que je joue un petit peu avec certains de mes collègues, donc ça sera un stream... Alors il finira sûrement vers 4h, 4h30, donc un stream de 2h, 2h30, et en fonction de ça on avisera. Et là-dessus, bah, je vous invite à toutes et à tous, en tout cas, de follow, de suivre mes réseaux sociaux, Twitter, et vous pouvez aussi venir sur Discord pour jouer entre vous, et surtout Twitch pour suivre mes prochains streams. Allez, je vous dis à tout de suite en partie, je vais retrouver Silver. Et me revoilà, maintenant que j'ai lancé le stream, c'est mieux. Parce que Windows 11 est un truc qui est génial. J'ai quelques réglages que j'ai fait pour mon stream qui ne marchent plus. Ah, d'accord. Du genre les boutons que j'avais réussi à paramétrer sur la table de mixage pour muter le vocal ou muter, me muter de vous quand je reparle, ça marche plus. Ah, et j'arrive pas à les paramétrer. C'est déjà fait, ça marche pas. Ah, putain. C'est bien Windows 11. Ah ouais, mais c'est pour ça que moi je suis pas pressé d'y passer. Hein. Et sincèrement, quand ça fait 3 mois que je repoussais quand j'étais forcé de la faire, c'était sûr. C'était sûr. Bon, moi j'ai testé le cas maintenant que j'ai débloqué. J'ai débloqué RPK aussi hier matin. Ah ouais? Je l'ai pas encore testé, mais j'avais le souvenir que j'avais plutôt un bon feeling avec. Je crois qu'elle était plutôt précise pour du fait son petit chargeur par rapport au PPM. Après, je pense que ça va être difficile de faire mieux que la 26. Hein. Ah oui, c'est clair. Celle-là, je pense qu'on a atteint le haut du panier. Avec le brawler, on a découvert avec certains de la BDX qu'on pouvait balancer des mines quand on était derrière. Ouais. Donc on a explosé un char comme ça. Je suis passé devant, ils ont miné, il nous a suivi, il a fait boum. Ah bah comme tu pouvais faire avec le... Avec l'option... comment s'appelle ce petit blindé là? Blindé. T'as une option où tu peux larguer les mines derrière. Ah, le bolt. Ouais, le bolt, voilà. Bah, c'est exactement le même principe, sauf que là, c'est l'humain derrière qui le fait. Et en fait, on s'est rendu compte, tu fous un ou deux ingénieurs derrière, avec un au Stinger, ou les deux au G84. Bah en fait, t'es pas trop emmerdé par les hélicos. Et le canon de 25 mm, on va tester ça un peu vraiment contre les véhicules. Ouais. Bah ça explose les Wildcat, les tanks ça prend bien tarif. Donc tu rajoutes ça avec un ingénieur derrière toi qui peut lancer un G84, bah au final... ça demande un peu, je pense un peu... surtout la cohésion des squads, je pense ça demande. Mais des derniers tests qu'on a fait, le poste d'armement 2 avec l'anti-aérien, c'est de la grosse daube. Le 20 mm, il fait pas de dégâts, il... Ouais, ouais, je l'ai essayé avec Jeremy l'autre fois, et effectivement, ça touche pas top. Hein. Autant, tu vois, le 60 mm que j'ai mis sur le BLC, enfin, en 2-3 tirs, tu dégommes des hélicos. T'as vraiment l'impression de faire quelque chose. Autant que 20 mm, là, t'as beau mettre un truc fou dans l'ennemi, enfin, moi, je trouve qu'il sert à rien. En toute honnêteté. Non, puis il chauffe beaucoup, il chauffe très vite, en fait, donc... C'est ça, et contre l'infanterie, ça sert à rien. Donc j'avoue que je sais pas où ils ont réfléchi pour le faire, mais... Si en hardcore on le trouve déjà nul, alors imagine en normal. Alors, pistolet... Faudrait que je teste le Colt en pistolet, j'ai pas encore testé.
Oh, les enfoirés. Et tu peux pas faire quitter quelqu'un en face? Ouais, je sais pas, mais ouais, ça va pas durer bien longtemps parce qu'on n'a pas une équipe de choc, hein. Ah bah, j'arrive. Voilà, tu vois. Je dis ça. Y en a quand même qui sont quand même doués en maquette. Les forces américaines Je suis occupent trop de tombé sur terrain. une maquette, le gouffre de Gaim, mais avec des dizaines de milliers de d'Uruk, etc. Alors, toc 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 toc. On a pris d'assaut l'objectif, bravo 3. Ouais, j'avais oublié qu'elle reculait autant à longue distance. Oula. Serait hauteur. Ouais, Attends. j'ai vu, ouais, derrière B là. Si ça continue, les Oh. Américains vont prendre tous les Moi j'ai une secteurs. excuse, c'est ma partie de chauffe. Ouais, on va dire ça. C'est toujours un règle d'or quand tu Et moi commences à aussi, faire. hein, je viens d'arriver, hein. C'est notre partie de chauffe, donc c'est normal, on a le droit alors. Je l'ai pas commencé celle-là. Objectif sécurisé. Ah ouais. Par contre, en mid. Ouais. Je crois que je vais aimer monter Gaeka. Ouais, elle marche bien. J'ai retrouvé les sensations que j'avais de l'AEK de l'époque. À longue distance, tu la passes en rafale. Elle tire droit. Un peu de recul, ouais, nickel. À mon avis, tu vas l'aimer, Gaeka, Silver. Ah ouais, je l'ai pas débloqué encore. Parce que là, je retrouve vraiment le feeling de BF3 et de BF4 avec l'arme. Il y a même un peu plus de recul qu'à l'époque de BF3, mais à longue distance. Même ça, c'est pas trop dérangeant, je trouve. Silver, viens là. Attends, j'arrive. C'est bon. Oh, y'a un mec, y'a un mec, y'a un mec, y'a un mec, y'a un mec. Il y en a derrière. Ah ouais, mais y'en a fait un de chaque côté en fait, un devant et un derrière. Je me suis Bon. retourné sur celui que t'avais tué et c'est l'autre qui m'a eu. Pas grave. Prochaine wagon parce qu'on sera là toute la partie. Ah, punaise, j'ai Bah, c'est spawn. ça. Déjà, tu peux revenir sur mon hélico. Quand on va la commencer, ça ira mieux. Bah, va dire, là, on va se taper une défaite de 100 points. Bon, je suis sur le point. Ah, punaise. Temps de tirer. Il est sur le. Ah, t'es mort? Ouais, j'avais un hélico et un anti-air contre moi. Ça fait un peu beaucoup quand t'as pas de gunner. Ah, l'autre, là, le M-Power qui est avec nous. J'ai déjà remarqué, j'ai déjà joué avec lui, il joue bien, par contre, il fait que Ah taper ouais? au tank. Ah. Ah, donc ce qu'on aime bien, nous. Bon, je reviens. Allez, à tout de suite.
frapper vite et on va frapper fort. Et bonjour à ceux qui arrivent sur le stream. Singapour est un lieu stratégique pour le transport de marchandises dans le monde entier. On nous a rapporté que des troupes russes se dirigent vers le port. Si elles arrivent à s'implanter là-bas, nous pourrions faire face à une crise mondiale du transport maritime. Gardez les Russes à distance. Oh. Vous en saurez plus une fois sur le terrain. Singapour. Ah, bientôt fini le... Abrams. Hey Abrams, tu es bientôt level 40? De quoi? Abrams, je l'ai bientôt maîtrise 40. Encore 73 kills. Ou assistance ou autre. Je suis paysagiste. Ouais. Avec bûcheron, moi je dirais. C'est pas la même chose. Attends, j'ai pas vu de véhicule. T'as vu un véhicule toi? Non, non, y'a rien là. Ah, derrière nous, fais gaffe. Y'a un char là-bas. Ah, infanterie. Et il a mis une balise en plus. Moi j'attaque le tank. Attends, je vais essayer de le taper. J'ai des roquettes, je vais essayer de le taper. Le tank est presque mort, t'inquiète pas, il va être fini. Ok. Il est mort, l'infanterie qui est sortie aussi. Attends, je reviens avec toi. Vas-y, je t'attends. Hop. Ah bah. Ça vient d'en haut ça. Ah punaise, ça vient au-dessus. Attends, oh, attends, je descends. C'est bon, je l'ai eu. Ressources disponibles pour un largage. Ouais, j'ai toujours du mal sur cette map là avec le tank. Peut-être trop agressif, faudrait peut-être que je sois beaucoup plus défensif avec. Bah, le problème c'est que t'as plein d'endroits pour se cacher pour les fantassins donc. En fait, il y a deux cas de figure. Soit je tombe sur une partie où les fantassins sont pas trop dans les bois et je fais un carnage. Soit dans une partie comme ça, j'arrive, je dégomme un véhicule, voire deux, mais je me fais rapidement défoncer derrière. Après, c'est ah pas. Ah merde, putain! Bon, comment? Ah, ils sont dans les collines là, partout. Ah. Entre A et B. Je vais défendre C1, moi. Ouais, je vais avec toi. Bon, c'est défendu. Rendez-vous à cette position, là-bas. Après, c'est pas plus mal, hein. Moi, j'aime bien les parties comme ça où le véhicule peut être très fort, mais si l'infanterie joue bien, il est vulnérable. Alors que j'adore les véhicules, tu vois, je suis le premier à être content. Ah, j'ai pas eu le temps de tirer. Côté de nous. Ouais, juste dans les buissons là, à côté de nous. Il y en a un autre. Mais c'est un chien là. Il m'a fait mal le chien. D'où il vient lui? Bah le tank est mort. Bah ouais, j'ai vu. C'est bon, je l'ai eu. J'ai tiré au pif, j'ai tué un allié, puis le deuxième coup j'ai tué l'ennemi.
En fait, c'est le problème de la protection active. C'est que le javelin, du fait qu'il est assez lent pour atteindre le... Pour atteindre la cible, il faut penser à... Parfois avec un peu d'avance à fumigène thermique. Ouais. Pas eu le temps de tirer. Oh, 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 le carton plein. 5 morts, allez, boum. Il y a encore un ennemi sur le point. Ouais, ah, ouais, il y en a encore un là, juste derrière. Deux, ils m'ont tué. T'as toujours le chiffre 5 derrière ton pseudo? Ouais. J'ai jamais fait gaffe. Ah ouais, j'ai toujours eu, ouais. Il y a encore une infanterie sur le point. Position inconnue. Oh putain, ils sont en train de me détruire là. Oh, ce qu'ils m'ont mis. Par contre, eh, les balles partent tellement vite de l'AEK. J'avais oublié. Ah ouais. Oh, il nous a eu les deux. Et, ils étaient deux à me tirer dessus là. Non. Ah, il nous a eu tous les deux, le Shnaini. Bah oui. Bah, il nous a eu avec la grenade lance explosif donc. Oh, le FM, c'est la mitraillette. Le XM8 pour moi c'était FM XM8. Ah. C'est pas le fusil mitrailleur ça? Que t'as un fusil. En fait t'en as deux de XM8. Ah mais t'as pas le lance-grenade aussi? Si, mais le début comme est un ça, peu XM. Différent. C'est XM quelque chose, mais je crois pas que ce soit XM8. Ah. XM 320, je crois. Ok. Bah, tu étais fini, ce que j'ai entamé. Va tirer dessus. Là je pense Silver tu peux avoir tous les passages, tous les personnes dans le bolter. C'est bon. C'est fait. Non le bolt est HS hein, c'est bon. Pas joué. J'en ai vu un dans le conteneur là-bas tout à l'heure. Danger signalé à 70 mètres de ma position. Là, qui est ouvert. Moi il manque plus que B1. C'est loin, mais faut y aller. Annonce du mauvais temps sur Patrie. Protégez-vous comme vous le pouvez. J'ai un mauvais pressentiment. J'ai peut-être tiré par erreur une balle sur un allié. En pensant que c'était un ennemi.
moitié. Bon, j'ai déjà pu neutraliser au moins B1. Je crois que le bug tombe vraiment mort. Ouais, ouais. En javeline, missile entière. Enfin, missile air sol. Plus bazooka. Oh punaise. Silver ? T'es où ? Est-ce que t'aimes, Bori ? Aïe, aïe, putain ! Parce qu'il se peut qu'à ton. J'arrive. Attends un peu moins. Il se peut qu'à ton soit juste à côté de nous. Déjà en train de... Putain, je l'avais vu avant. Je me suis envolé. Ah, faudrait que je teste avec le brouilleur, voir si je m'envole à cause de la tornade. Ah oui, avec tous les véhicules. Hein. Avec le tank, tu t'envoles ? Ouais, c'est ouais, avec le char aussi, ouais. Tire un javelin sur le tank. Il a été détruit juste avant qu'il arrive, mon gars. Mais toi, je pensais pas que le tank s'envolait. Si, si, ouais. Ça m'est déjà arrivé. J'étais persuadé que j'étais à l'abri, mais. Je me souviens avec le BLC quand je m'étais envolé. Sur cette map. Oh, le nombre de. J'étais sur B1, le nombre de tonneaux que j'ai fait avant. Et la chute que j'ai fait après de la montagne. Oh putain. J'avais fini à peu près au niveau de C1. C2, autant pour moi. On se rejoint au marqueur, là-bas. De ce repoint. Les ennemis ont sécurisé Charlie 1. Secteur Charlie aux mains de l'ennemi. Et à mon avis, en normal, le casque doit être une tuerie. Hein. Nos alliés lancent les hostilités à Charlie 1. Oh. Aïe. Je viens t'aider, bouge pas. Tu mourras plus tard. On a sécurisé un objectif. Nos troupes ont capturé le secteur Charlie. Rechargement. Par contre, t'as intérêt à bien contrôler avant de tirer. J'ai fait tuer encore deux fois des alliés. Faut qu'on avance. Rendez-vous là-bas. Ils attaquent un de nos objectifs. Grenade. Allez, je vais finir Mort 21, maintenant que je fais mes petits tests avec l'arme. Alpha 1 est sous contrôle russe. J'ai neutralisé la cible.
avancer sur Alpha 1. Attention, je balance une grenade. Allié blessé. Nous avons le contrôle de la majorité du secteur. C'était vraiment à ça qu'il passait. Objectif sécurisé. Rendez-vous à cette position. Secteur Alpha sécurisé. Préparez-vous à défendre l'objectif. Soyez prudents. Alpha 1 est attaqué. Il y a un charge juste à côté de moi, mais j'ai plus de munitions là. Ah, il me fait cut. Ben, reviens sur moi si tu veux, avec du C4. Ah bah ben, il descend. Je pense. Bon, c'est un tort. Elle est juste là. Hop, une fumée thermique, hop. Ouais, j'ai explosé un allié, je vais quelqu'un tirer depuis un buisson, je vais pas de logo, j'ai tiré de toi. Oh putain, j'étais en train de recharger. En plus c'est deux fois le même que j'ai tué, mais bon c'est pas ma faute, y'avait pas de tag dans le buisson, moi je tire. Premier coup c'était peut-être une bavure, deuxième coup la bavure. Tu vois, bizarrement, on fait une partie complète, ça se passe mieux. Hein. Ouais, c'est clair. Bah oui, on l'a commencé celle-là. On se fait ça. On fait une belle victoire. Ouais, par contre, notre allié, 49 kills, l'escouade. Ouais, 49-4, mais il est en hélico. Hein. Hélico, tank, il a un peu tout faire. Ouais. Bon allez, je te laisse, à plus tard. À plus tard. Ciao.
l'occasion d'entraver la circulation des munitions américaines. Ça va se jouer en Scandinavie. L'entreprise Norvik fournit armes et véhicules à des agents américains. Il faut que ça cesse. Nous lançons un assaut sur l'usine. Éliminez la résistance locale, puis retranchez-vous. Les communications seront rétablies en cours de route. Terminé. Allez, allons-y. Capturer ce point là. Si on les arrête pas, les forces américaines vont prendre tous les secteurs. Allez hop. L'autre il voulait faire joujou. Le problème de ce point là, c'est que si jamais les ennemis viennent assez souvent, voilà, d'où est venu le MAV, vous pouvez pas vous défendre. Objectif sécurisé. C'est pour ça que j'aime bien que le tank sur ce point reste en retrait. Objectif sécurisé. Secteur Charlie sous contrôle. Vache, je me suis pris un de ces trucs là. Si ça continue, les Américains vont prendre tous les secteurs. Gardez le contrôle de l'objectif. Bonne chance à vous. Des vues d'attaque sur le toit. Je sais déjà d'où sont venus. Dommage, dommage, dommage. Il y a qu'une mitrailleuse lourde l'autre. Il y a bien des snipes là-haut. Il avait semblé en voir via un tir. Une full auto était pas bon. Pareil, il y a une arme que j'ai toujours pas testée, c'est celle-là. Faut que je la teste. Objectif Charlie 1 sécurisé. Nos troupes viennent de prendre le secteur Charlie. Mais on avait les frères d'actifs. Comment ça se fait qu'on s'est fait descendre par une par un Tuka entière? J'atteste qu'il y en a beaucoup qui me disent qu'il y a un peu comme le... Comment s'appelait cette arme? Comme le fusil Ghost. Qui a un temps de latence, mais il n'y a pas de temps de latence, c'est ce qu'il raconte. On met trop de temps à prendre les objectifs.
Les Américains avancent rapidement. Je tire en même temps que tu vises. Marche très bien, Storm. Un bug, c'est peut-être un peu limite, mais... Un paquet est prêt. Appelez si vous avez besoin d'aide. Grenade lancée. Ah, elle tire plutôt mal, hein. Pas mal, hein. Quand on se tire un petit peu long, par contre, donc ça sera effectivement une autre prise en main que l'AEK, qui est une cadence de tir beaucoup plus rapide. Ah, ça tire, sincèrement. C'est une arme plaisante à monter, celui-là. À mon avis, on peut peut-être augmenter la cadence de tir en l'équipant d'un canon court. La situation d'ici. Et en plus, c'est tout par défaut, ouais. L'ennemi détient tout le secteur, bravo. Un de nos objectifs est attaqué. Si ça continue, les Américains vont prendre tous les secteurs. Cette bataille coûte cher à nos forces. C'est une unité ennemie, à l'ouest. Hop. Très bonne arme. Très très bonne arme. Pour moi, c'est une arme qui a adopté ça. Je sais que j'aurais pas one shot en normal en pleine tête à cette distance, mais justement, c'est... Très bonne arme. Rien à dire. Mais c'est... Qu'est-ce qu'ils ont foutu ? On s'accroche ! Nettoyez-toi. Ouais, donc vraiment utilisé en fusil d'assaut long range, celui-là. L'AEK serait plutôt du close quarter. Ça serait plutôt effectivement du long range. Delta est assiégé. Moins qu'on puisse se mettre à viseur à 25. Et les 20 bugs, c'est... J'ai plus rien, je recharge. Dommage pour moi, j'avais qu'à voir plus vite. Que je donne mes ordres en tant que chef d'escouade. Vous avez quitté la zone de
pas. Ennemi à terre. Une lampe torche. Un peu gavant, ça, ils se mettent toujours en mouvement. Un ennemi, ça? J'ai pas peur que c'est un ennemi, moi. De toute façon, ça, c'est une défaite nette et précise. Et oui, vous riez pas, parfois il y a un bug où on a un écran noir. Les ennemis ont investi l'objectif Ecora. Aucun point, on a rien. Donner ce tank là. Bon. On a fait un peu jouer avec différentes armes. Ça va remonter. Il a eu, voilà. Je
Non, après, si on va faire un petit tour en normal ou si on continue sur ce serveur. Et rigueur, à fin de celle-là, on ira faire un petit tour en rue. Rue 64-64 et non pas 32-32. TTK de base. Ça nous permettra de tester le cœur en conditions réelles. Foncez, mon avis. Bon, tout petit arrière, ça m'a une mètre de tir, je vais même pas m'excuser. Défaite de t'es inévitable. Après on a fait un joli tir avec le tank contre l'hélico en début de partie. Enfin, sincèrement l'hélico a cherché à se faire abattre aussi. Hein. Moi je trouve pas avoir fait un joli tir. Hein. Alors, on va chercher mon petit serveur habituel pour la ruée. Ah, nickel. Allez, on a du boulot. Ouais bah maintenant d'avoir un viseur comme ça va être beaucoup plus simple. Alors, eh bah nickel. Ah, changement de game, ça veut dire. Ils ont ouvert les deux aujourd'hui. Non, il n'y en a qu'un d'ouvert. Au serveur là que je suis habituellement. On va y jouer en hardcore, c'est eux. Le E ou le serveur BDX. Après, généralement, on le lance quand on est tous là. Quand on a assez nombreux dans l'équipe. Les réglages sont sensiblement similaires.
Je crois que la grosse différence au niveau des véhicules, la régénération des PV. Alors, statut de partie invalide, ça veut dire que la partie n'a pas. On est en changement de map. Et qu'elle n'a pas encore débuté. Voilà. Alors, en fait sur ce serveur c'est beaucoup infanterie, les véhicules sont dans les spawns, c'est des véhicules liés aux maps. Donc c'est celui-là. Ah bah oui, c'était opéré. Éternuer dans le micro. Attention, je balance une grenade. Ah ouais, j'ai voulu esquiver l'autre. J'aurais dû attaquer ça à l'extérieur. Faut juste balancer de l'esmigène en fait. J'ai tout tiré à côté. Impardonnable. Par contre, le problème de ce serveur là, c'est que l'attaque est toujours très compliquée par rapport à la défense. Et de deux, il faut que l'équipe attaque. Et là, on est dans la situation habituelle d'une équipe qui attaque pas. Les snipers là-haut. Je marque des ennemis vers le sud-ouest. Tant que les gens ils comprendront pas qu'il faut balancer des smokes pour attaquer. Hop. Et moi, tant que j'apprends pas à viser avec l'arme, ça marchera pas. J'ai tout visé trop. Tout. Il va se passer la chose suivante, quand il me gave un peu trop à camper. Voilà. Je vais te remettre sur pied. Bien fait pour le tank qui campait.
Finalement, elle est peut-être moins bien que ça en normal, hein. Norm. Une équipe qui joue pas non plus, donc ça va être difficile de tirer une efficacité de cette arme. De toute façon, ouais, mon KDA il va prendre un coup. Explosif armé, ne laissez personne s'en approcher. Par contre, en 64-64, si la moitié de l'équipe veut pas jouer, c'est pas gagnable. Allez, elle est morte la game, c'est fini, hop. Passons à la suivante. Tenez une grenade, éclatez-vous. Oh, du genre lui, il faut m'expliquer pourquoi il campe. C'est qu'une fois que j'ai plus de smoke, je suis mort en fait. Vu qu'ils ont très peu de cibles qui se trouvent à découvert et que tout le monde campe derrière, lui il campe au Gasper. Voilà. Et là-haut. C'est une des pires maps où c'est attaqué celle-là, donc je vais pas... Et moi je trouve qu'elle est dure à attaquer, c'est que... Enfin... Bizarrement vous avez une équipe qui balance beaucoup de smoke, qui enfume le premier étage, qui enfume là, qui enfume là, qui enfume là... La partie passe tranquillement. Hein. Là, le problème c'est que c'est pas nous qui smokons, c'est les ennemis. C'est tout le monde. L'infanterie attend, personne ne bouge. Game parfaite, hein. Il y a qu'un explique comment ça se fait que... Quand on arrive à nécessité de smoke chez nous... En dualiste, cette arme est quand même bon. Neutralisé.
Même pas lui qui m'arrive à y aller. De toute façon, on détruira, ça sera simple, détourber, ça sera compliqué. Hein. Je vois une grenade. Oui, voilà, ça c'est juste. Oui. C'est Jack, ça va? Ça va. L'ennemi a désamorcé nos explosifs. Tu joues sur quoi? Ah ouais, je te sens un serveur rué, mais vu que l'équipe n'attaque pas, donc tu veux pas retourner chez Ebad. Tu veux pas essayer mon serveur que je viens de créer là? Je suis. Voir ce que t'en penses. Alors si c'est du JCJ. Ouais, c'est du match à mort. Hein? Non, c'est du... c'est du... JCJ, c'est le... C'est du... Merde, comment on appelle ça? Du PVP, mais avec des IA qui peuvent être remplacés par des vrais joueurs. Ah, donc en fait... ça ouais. Veut dire que ça marchera pas au niveau des règles... Ouais. Ben, ça permettra pas de monter les armes. Il y a tout qui marche, en fait. Pas les maîtrises. Les maîtrises, je sais pas, mais je peux t'assurer que non. Perso, je m'en fous. Ah bah, moi non, si. Non, mais par contre, je vais régler 100% de dégâts, 200% à la tête, nos régènes véhicule, obligé de réparer le véhicule. Ce genre de truc, tu vois. Je voulais enlever le réticule, mais on peut pas parce que ça enlève le réticule pour tout. Ça, c'est un bien dommage. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, par exemple, si tu répares le véhicule, tu vois pas que tu le répares. Parce qu'il y a pas de réticule. Et c'est complètement con, je trouve. Parce que si je me trompe pas, je sens un gros problème de mettre des IA, c'est que quand tu joues contre des IA, ça ne compte pas tout ce qui est maîtrise d'armes. Alors, je vais te le dire. Attends, je le regarde sur tout ce qui est débloqué, tout ce qui est débloqué, si c'est écrit XP restreint... Ouais, c'est restreint. Ouais, c'est ça. Ouais, donc non, donc les maîtrises ne marcheront pas. Donc moi, ça me pose un souci. Ah ouais, il n'y a pas de XP maîtrise. Alors attends. Et en fait, si tu veux dégager... Ouais, c'est ça, il n'y a pas de maîtrise. Le seul moyen de remettre ça, c'est d'enlever en fait l'IA. Pas d'IA, pas de joueur. En face. Enlever autorégène, de ce que je vois. Ouais. T'as mis le tiraillé. Ouais, tirallier, ouais. Tirallier, bien sûr, hein, comme... Je me rapproche de la vraie vie, en fait. Plus un peu, voilà. Pas de mini-carte, pas de grande carte non plus. Dommage pour le chef d'escouade, ça aurait pu être bien, ça. Je sais pas si tu veux faire une distinction chef d'escouade, pas chef d'escouade. Alors, restriction... Je regarde, alors... Ok, balle dans le corps, normal. On est d'accord, c'est que dans la tête que t'as doublé. Ouais, c'est ça, ouais. Après, ça permet de tester un petit peu. Non, moi c'est pour m'entraîner. Je fais ça pour m'entraîner en fait. Ah oui, je m'aperçois. Parce que 100%, franchement, du 100%, que je dis, je le répète, c'est pour moi. Attends, quand tu dis 100%, c'est dire que c'est 100% de plus que à base ou c'est 100% serveur de base? Non, c'est multiplicateur de dégâts, c'est 1. Ouais. Ah, donc c'est dégâts de base, ok, on est d'accord. Voilà, c'est ça, ouais. Et si tu vises bien, eh ben, le mec, tu le tues. Hein. Normal quoi, tu vides pas le chargeur. Juste en ruée, je voulais montrer un peu ruée à mon stream. Ouais. Bon, manque de bol, je tombais sur une équipe, j'étais en attaque, une équipe qui sait pas utiliser smoke qui campe, donc. Après, bon, le problème. Mais ouais, ça confirme ce que je supposais en normal, il y a le casque, tous ses visées, elle marche bien. En pleine tête. Non, deux fois dans la tête et normal dans le corps, moi ça me plaît bien en réglage. Ah ouais. La mini carte, j'avoue que j'aimerais bien que la grande carte que tu puisses ouvrir, ça c'est un truc qui est que le chef d'escouade qui puisse avoir. Carte, où c'est que ça peut être? Je recommence tout là. Rotation, ok, détail, ok. Nombre de joueurs, limite, renfort retiré par l'immersion, renfort fou. Type de réapparition, escouade. Pyramide, multiplicateur, soldat, événement, emplacement, aide à la visée, multiplicateur, objet lâché,
Tu vois, par exemple, j'ai pas d'objets lâchés par les morts. Ah, les armes ne sont pas lâchées ? Non. Ça, c'est dommage. Ouais, c'est pas... Ouais, remarque, je pourrais me mettre. Je veux dire, sur le principe, ça a dû m'aider une ou deux fois, ça a dû me sauver la vie une ou deux fois, parce que j'avais plus de balles dans mon arme. Après, c'est pas le truc qui va te changer la vie, quoi, de ouais, c'est, ça change rien, t'as raison. Ancrage à la visée, par contre... Ancrage à la visée ? Ouais, ancrage à la visée, c'est en fait quand tu vises, que tu lock un truc, t'as ancré la visée. Pas compris. Sur ce que t'as locké. Ah, aux javelines ? Non, à n'importe quel truc, arme qui lock, en fait, ça aide à locker l'objet le plus proche de ton réticule. Ah, donc ça veut dire que ça a le problème aussi suivant. Ouais, donc je te confirme, javeline, il monte pas, j'ai pété des véhicules. Donc ça, je me suis pas ça veut dire qu'en fait, quand moi, j'utilise beaucoup l'hélicoptère, là, parce que je me gâte. Tu vas juste débloquer les armes, tu ne monteras pas en maîtrise. Donc tu vas débloquer en fait tout ce qui est tes équipements d'armes. Ouais. Ah oui, ça ouais, tu le débloques tout, ouais. Par contre, tout ce qui est les XP de maîtrise, et vu que moi c'est ce que je fais, c'est que je vise à faire une maîtrise de chaque arme, bah ça par contre, moi c'est pas pris en compte. Ouais, c'est pas grave, hein, on peut dire, ouais, hop. Non, mais là, moi je fais ça pour m'entraîner en fait, plus qu'autre chose, parce que, et puis le serveur bad, voilà. Le problème c'est quand tu tombes sur les parties où ça joue pas. Non, mais tu vois, j'ai fait 40 et quelques kills là sur une partie, alors qu'il y avait des bons joueurs en face, mais ça jouait. Et le fait que ça joue en face, et eh bien en fait, ça te permet de. Agréable. C'est agréable, voilà. Et quand ça joue pas en face, quand ça joue pas dans ton équipe, et qu'il y a que des snipers partout, ou des trucs comme ça, bon, laisse tomber, tu fais rien, t'es mort 8 fois avant de tuer un mec. Non. Alors. Aide à la visée, ancrage zoom. Active et désactive la fonction d'accrochage. Attends, accrochage à la cible pour l'aide à la visée. Cette option est désactivée. Le réticule ne se fixe pas automatiquement sur une cible proche lorsque vous utilisez le système de visée de l'arme. Moi ça, j'approuverais d'enlever cette option. Parce que ça veut dire, en fait, tu vois le souci qu'on a parfois sur certains, quand on est au javelin, parfois... Tu verrouilles un véhicule au loin, t'as un autre véhicule qui passe devant, ça te prend le verrouillage de celui qui est devant. Ah mais c'est ça en fait, c'est ça la aide à la visée, un crash zoom. Et je pense qu'il faut le désactiver, parce que de ce que je comprends, si tu le laisses actif... L'ennemi est devant. Alors, pourquoi un crash zoom pas contre le désactive ? Active et désactive la fonction d'accrochage à la cible pour l'aide à la visée. Moi, il faut pas d'assistance. Ah non, c'est l'aide à la visée. En fait, aide à la visée, tu sais ce que c'est, l'aide à la visée? Ah oui, c'est ça. En fait, pour ceux qui jouent avec les consoles, en fait, ça aide que quand ta cible se déplace, ton réticule se déplace avec la cible. En fait. Non, faut que tu dégages. T'as pas d'aide à la visée. Voilà. Hein. Et du coup, vu qu'il n'y a pas d'aide à la visée. Ah, donc c'est une option qui sert à rien. Il n'y a pas d'aide à la visée dans Crash Zoom non plus. Du coup. Ok, ben, oui, les deux sont liés. Ok, c'est pas indépendant. Ouais, donc ouais, ça désactive. C'est con par contre qu'ils te le mettent alors que tu as désactivé. Ils auraient dû enlever l'onglet. Tu vois que si tu désactives l'onglet, ouais, que t'es tout enlevé. Par contre, tu sais ce qu'il n'y a pas, et que je regrette beaucoup, la vue à troisième personne des véhicules. Tu peux pas le désactiver. Besoin d'un véhicule blindé. C'est dommage, j'avoue. Ah ouais, là, parce que ça, c'est... Moi, je trouve ça complètement con que quand t'es pilote, tu peux voir l'extérieur de ton véhicule. Après, moi qui l'utilise beaucoup à troisième personne, le nombre de fois que t'as un bug en reprenant à première personne ou que tu vois... En fait, tu zoomes, tu rentres dedans, tu zoomes, tu vois tout noir, tu vois rien. Ah ouais. T'es rentré sur la carte là ? Ouais, je suis déjà sur la carte. Essaye de voir si tu peux mettre que la mini-carte, mais la grande. Alors, que la mini-carte ? La grande. Ou que la grande ? La grande. Je pense mettre que pour les chefs d'escouade, ça sera pas possible. Alors, mini carte, oui, menu plus, oui. Alors, mini carte, non, mais à grande. Mini carte, non, pardon. ATH, non, il n'y a pas de. Ok, et donc c'est la mini carte qui est aussi y à grande. Il n'y a pas d'option pour désactiver la grande carte. Donc, non, c'est-à-dire que la grande carte est liée à la mini map en fait.
Ouais, je crois que c'est ça. Détermine la mission. Ouais, c'est ça, c'est lié. T'as pas la mini, t'as pas la grande. Dommage. Ça, ça aurait été une option. Ouais, c'est, une option que j'aurais trouvé sympa, parce que la grande map, parfois, pour regarder un peu comment s'est déployé tes alliés ou autres, c'est bien pratique. Hein. Eh bien, c'est pour ça que j'aime pas qu'on me raise quand il y a de l'action, parce que justement, je regarde ça, moi. Je regarde sur la map avant de... avant d'être raise. Avant de respawn. Donc j'avoue, dommage qu'ils aient pas mis cette option dans les réglages serveur. Y a quoi d'autre comme option qui... Ouais, mais c'est hyper limité, je trouve. Il y a 2-3 options. BF4, c'est hyper limité. Ah bah après, BF4, c'était pas des serveurs dédiés, et c'était libre au niveau des réglages. Ouais, mais t'avais le droit, par exemple, de limiter le nombre de snipers. C'est surtout t'avais des plugins, en fait, pour faire ça. Là, c'est impossible. On nous prend pour cible. L'idée de tirer dans le corps, que ça fait des dégâts par défaut... C'est contre moi, c'est bien. Moi j'étais... Enfin, quand on avait déjà discuté, avant que tu crées ces réglages, on avait déjà discuté longuement ensemble. On a une vision globalement similaire. Ah, ça recommence. Après, voilà, moi véhicule, troisième personne, honnêtement... C'est pas le truc que je trouve dérangeant. Parce que tu te rends... Déjà, non seulement ça récompense les joueurs qui savent utiliser deux vues, mais c'est pas ce qui va un très bon pilote d'hélico, de toute façon il flinguera un pilote d'hélico qui est moins bon. Hein. Prenez une personne ou pas. Ouais. Ouais. Mais là ça m'a. Pour l'entraînement ça m'aide à. On a visé. À la visée, ouais. C'est hyper. C'est hyper chaud. Attends, comment ça. C'est quoi ce bordel là? T'es sûr qu'elle map là? Ah, t'es avec moi maintenant? Oui, je suis déjà avec toi depuis tout à l'heure en fait. Ah non, d'accord, ouais. Je comprends. Non, ça m'avait mis sur une autre map en fait. Et c'est pour ça que j'ai été retiré de la partie et je reviens. Ah, t'es plus sur des charges. D'ailleurs, vivement qu'il refasse cette map d'ailleurs. Je suis heureux de voir à quoi elle va ressembler à nouveau. Elle est beaucoup trop grande là. Au niveau des dégâts, tu vois quoi? Moi j'aime bien. La pleine tête, au moins si tu sais viser ou autre. C'est ça. Ça pardonne pas. Après, j'aurais peut-être pas mis x2, j'aurais peut-être juste mis x1-5. Ouais, ça change rien. Ça dépend de l'arme que tu utilises en fait. Si tu snipes, tu fais une tête, même en mode normal, ça tue. Ah, c'est pour ça que je dis tête x1-5, ça permet d'éviter les fusils d'assaut face forcément du one shot, d'en mettre 2 pour certains. Ouais, mais bon, dans la vraie vie, tu prends une balle dans la tête, même si t'as un casque, t'as mal quoi. Marc, ouais, si t'as un casque, que tu prends un coup de 9 mm, c'est pas forcément bon. Ça fait mal, c'est tout. Donc pourquoi j'ai pas d'hélico là? Parce que j'ai craché l'hélico. Il n'avait qu'un seul. Oh. Mais il est où là? Pourquoi il répare Oui, je l'ai mis à zéro. Je l'ai mis à zéro le temps de respawn des véhicules. Juste de le cracher donc. Ben oui. Alors, question, vu que ça va être déjà lancé, vu que tu as tenté de faire des modifications, est-ce qu'il faut pas le relancer pour que ça prenne en compte? Non mais je l'ai fait avant de... Ok, c'était vrai. Ouais, non, t'as raison. Les modifications, par exemple, de vitesse de respawn, est-ce que c'était avant ou après peut-être avoir qu'il faut la relancer, ouais. Non, c'est... En changeant de map, ça change rien pour relancer le serveur. C'est sûr. Par contre... Pourquoi y a rien? Les trois hélicos sont indisponibles. Trois hélicos? Ils auraient pas désactivé. Bah, tu les as utilisés ou pas là? On rentre. Y a qu'un hélico, y en a pas trois. Non, y en a trois hélicos. Y a la pâche, le Little Bird et oui, mais t'as qu'un seul slot, ça veut dire. Oui, y a qu'un slot. On
Ouais, tout le monde va croire que je suis trop bon sur mon stream. Je suis trop d'IA. Ah, t'es en train de stream là? Ouais, ouais. Je fais un petit stream. J'en ai fait un ce matin sur Darktide. C'est quoi ça? Tu connais un peu Left 4 Dead 2? Non. Pas du tout. En gros, c'est un jeu où t'es en escouade de 4. Tu vas sur des maps et ton but c'est de faire un map. Tout simplement et de survivre. D'accord. Sauf que Darktide c'est basé sur l'univers de Warhammer 40 000. Left 4 Dead, c'est plutôt, c'est dans le monde des zombies. Mais ah, ça y est, je pêche. Colis disponible. D'accord. Dès que vous êtes prêts. Qu'en soit, c'est... Cible éliminée. Rechargement en cours. Régénération de vie des véhicules, t'as enlevé. Ouais. Dégâts des explosifs par défaut. Ouais. Je sais pas si c'est différent, c'est pour ça que je pose la question. Temps de verrouillage, des javelines ou autres, c'est modifiable ou pas ça? Le temps de verrouillage? Ouais. Je crois pas, non, j'ai pas vu. Ok. Je vais dire surtout modifie pas, je trouve que c'était bien actuellement. Non, bah je... Ouais, c'est normal quoi en fait, je veux dire. Justement, c'est pour ça que j'aime bien. Ah, je te vois, Jack. Jack, je suis sûr, hein, viens me récupérer. Ouais. Hop. Par contre, j'avoue. Merci. Ce qui est bien, c'est que l'IA au moins elle sort tout de suite ou autre, elle réfléchit pas. Ça, ah ouais. C'est ça, ouais. Toi aussi. J'avais pas souvenance qu'il était aussi grand, le canon de 30 mm. Véhicule hostile neutralisé. Nos ennemis ont pris le secteur écho. J'avoue. Je trouve l'un, toi. Le 30 mm, ouais. Le problème, c'est que je me souviens de celui de BF3. Celui de BF3 de BF4, c'était. Ta. Où en face? Trop bas. Oula. C'est bon, je suis au-dessus de lui. Bien fait pour eux. Attention à cet hélico, à environ 250 mètres. Non, c'est... Moi, t'es régal, moi, il me plaise. Un de moins. T'as mis toutes les armes, t'as pas bloqué des armes. Aucune, ouais, je le crée. Le autorisé, le non, gold, ben... etc. Ouais, c'est ça, ouais, et tout. Bah, je vois pas l'intérêt de débloquer. C'est lié au jeu, en fait, donc... En fait, non, c'est pas lié au jeu. C'est lié au fait qu'ils ont modifié le TTK, donc c'est que leur TTK est mal réglé. Mais non, mais le Roche, par exemple, on est en 2042, donc forcément, c'est... On peut pas l'enlever, quoi. En fait, l'arme n'est pas si cheatée de ça, hein. Enfin, au début, ouais. Alors... Au tout début qu'il est sorti, oui, enfin... Tu dégommais des véhicules... Modifié, tu crois? Ouais, ils ont réduit beaucoup les dégâts contre les véhicules. Au tout début, d'accord. Quand ils l'ont sorti, en fait, le truc, il dégommait les véhicules. Il était meilleur qu'un lance-roquette. Contact à gauche. J'ai plus de... Ouais, en fait, le Rorch, c'est le gros problème que... Alors, sur le serveur hardcore encore plus, c'est qu'en 10 balles de Rorch, tu dégommais un tank. En fait, tu enlevais 5 PV par tir avec un Rorch. Donc, ce qui était pour moi problématique... Moi qui adorais jouer véhicule, en fait, tu campais au Rorch, tu dégommais tous les véhicules de la map. Et en fait, ils ont réduit, je crois, de 75% les dégâts contre les véhicules. Ouais, quand même. Ah, ça sert... Enfin... Moi, ça me dérange pas que tu puisses faire du dégâts... tu vois, sur des appareils type hélico ou... Tu vois, des appareils volants. C'est peu blindé, etc. Par contre, un tank... Enfin, je suis désolé, un badge d'un tank... en 2042, je pense quand même que c'est quand même... Oh, ça recule. Putain, bien joué, enculé. J'ai vu le pire, je me suis dit, mais attends, pourquoi t'as fait un droit de gauche là? T'as fait un droit de gauche dessus? Ben en fait, je visais le mec qui était à côté, qui était à sa droite, et après je l'ai vu à lui là. Bon.
J'étais un peu bas aussi. Pas grave, pas grave. Donc oui, le Rorschach, je crois même c'était même plus violent que 75%, je crois ils ont réduit. En gros, ils ont fortement, drastiquement réduit les dégâts contre les véhicules. Je comprendrai jamais pourquoi les développeurs n'essayent pas avant de sortir un bordel. Alors sur le Roche, il fait tant de dégâts, il fait tant de dégâts. Ouais, final, on le modifie plus, c'est comme ça. Autrement, après, tu le sors pas. Après, entre nous... En normal, ça allait, mais c'était quand même un petit peu trop présent aussi. Enfin, moi, le nerf qu'ils ont fait contre les véhicules était, pour moi, justifié. Il est, pour moi, je pense, le dé... Ouais, mais... C'est ouais, mais si tu compares au vrai, je sais même pas si ça existe, le Roche. Non, et c'est... Tu prends, voilà. Un canon électromagnétique qui envoie des obus, là, bon, ça existe, mais... Déjà, c'est hyper lourd, c'est hyper. C'est pas maniable comme le Rorsch dans le truc. Voilà. Et ça fait hyper. Ça fait énormément de dégâts. Mais c'est sûr que celui du jeu, il est pas. Il est pas réel. Enfin, peut-être que dans 20 ans, il sera réel, mais. Non. Pour l'instant, non. Beaucoup trop rapide pour moi. Mais non, tu mais vois... c'est pas ça. Il peut envoyer des toutes petites balles en acier ou. Après, l'arme, pour moi, l'arme en tant que telle est géniale dans BF. Pour moi, elle est très bien pensée. Après, d'un point de vue équilibrage, le problème quand tu mets une arme, et je pense que tu seras d'accord avec moi, quand tu as une arme qui est trop forte par rapport aux autres, c'est pas intéressant. Ça revient à l'époque de BF3 où tu avais 2-3 armes qui sortaient du lot au niveau des fusils d'assaut, qui surpassaient toutes les autres armes, et tu voyais quasiment que ces armes-là. C'est pareil, tu donnes une arme surpuissante à un mec qui sait pas jouer. Voilà. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire, quelqu'un qui sait jouer, il va prendre quelqu'un qui sait jouer. Quand t'as 3-4 armes qui est surpuissante par rapport au reste, il va privilégier ses armes. Alors que si tu essaies de faire en sorte que toutes les armes soient jouables, finalement tu vas avoir une diversité au niveau des armes proposées et autres. Ouais, mais tu prends un gars comme Tabello, ils ont n'importe quelle arme du jeu. Un à foutre lui. Hein. Oh, mais... Le mec il s'est visé donc. Moi je reste d'avis qu'à partir du moment que tu sais viser, voilà. Mais justement, voilà, c'est ça qui est agréable. C'est que quand les armes sont... Enfin, moi actuellement ce que j'aime bien, c'est que toutes les armes, tu peux les jouer. Tu peux tuer n'importe qui avec n'importe quelle arme et ils sont tous équilibrés. Et pour moi, le Rorsch qui s'est un petit peu réduit sa puissance contre les véhicules me dérange pas. Parce que justement, en contrepartie, ça veut dire qu'avant les gens jouaient que Rorsch contre les véhicules. Maintenant, tout ce qui est lance-roquettes ou autre, tu vois, ils sont revenus. Hein. Au début, tout le monde jouait Javelin. Et toi, maintenant, tout le monde est revenu un peu sans recul. Hein. Et même si Javelin est toujours présent. Hein. Ouais, c'est comme ça que j'aime BF. C'est qu'au final, toutes les armes soient équilibrées entre elles, que tout soit jouable. Après, t'en as toujours une ou deux. Ouais, après c'est vrai qu'on a l'expérience du serveur bad aussi. Il déséquilibre un peu tout parce que le mec avec une petite mitrailleuse, il va te faire autant de dégâts qu'une grosse. Et surtout, il n'y a pas de portée quoi. Ah, j'ai découvert une chose aussi. Bah oui, ça en est d'accord. C'est pour ça que normal, je l'aime bien. J'ai découvert juste une chose. Le fait que t'as enlevé le drop des IA. Ça a aussi enlevé le drop des munitions des personnes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'ai pas compris. Ton drop, t'as enlevé le drop des armes. Quand tu meurs, y'a rien qui tombe. Ouais. Bah, ça a aussi enlevé le truc des munitions. Ah oui, aussi, oui. J'avoue. Mais je l'ai remis là, mais bon. Ah, mais y'a personne. Ça sert à rien. Y'a personne qui tombe parce que je tue plein de personnes, j'ai pas de munitions récupérées sur leur cadavre. Ah mais c'est vrai que c'est con parce que c'est pareil, en réel tu récupères les armes. Ça, au pire des cas tu récupères les armes hautes. Après voilà, globalement le réglage il est bon. Pour moi il est... Récompense ceux qui savent viser. Ah, j'ai cru que j'avais tué.
Mais après, je reste d'avis avec toi sur le problème du serveur bad. Pourquoi il y a des armes Merde. De Bani? C'est qu'ils ont touché au TK. Hein. Ah ouais, ça c'est con. Ils y auraient pas touché. En fait, ils y auraient pas joué. Le problème du Rorsch, tu vois, je prends l'exemple du Rorsch, qui est l'illustration même du problème. Bon, en fait, il y en aurait pas. Parce qu'il fait, il ferait pas de one shot à part en pleine tête. Ouais, comme le DMR, hein. Pareil. Salut, Gef. Salut, Gef. C'est exactement ça. Me rejoins pas. Elle. Pourquoi? On fait des tests. Des tests sur un serveur. Je viens de créer un autre serveur BDX EJ pour faire des tests. On a touché au TK ou autre, on a revenu au. Il y a une partie hardcore ou autre, pas de régénération, etc. Ah oui. Pas de minimap. Ouais, je sais. Ouais, je pense que ça t'intéresse pas vraiment. ce serveur là, c'est on joue contre des IA. Bon, des joueurs peuvent nous rejoindre, y a pas de problème. Mais c'est surtout pour s'entraîner et y a que 100% de dégâts. Et y a pas de régène. Oh. Et en pleine tête, c'est x2. Voilà. C'est ça, si j'avais bien compris tes règles. Ouais, c'est ça, ouais. Donc en gros, ça récompense ceux qui savent viser et sinon voilà, c'est normal et j'avoue que j'aime bien. Tu dois faire un Friday night Battlefield. Ce week-end double XP. Ouais. Depuis le vendredi, enfin tous les vendredis, il y a Battlefield Night en fait. Un objectif est attaqué. D'ailleurs, j'ai lu que le 3 de cette année était annulé. Le 3, le salon de jeux vidéo à Los Angeles. Ah, lié, ouais. Ah bon, il est annulé? Ouais. J'avais vu une news il y a pas si longtemps que ça. Bah, en fait, Ubisoft a annoncé qu'ils iraient pas. Et là, j'ai vu une news aujourd'hui qu'ils annulaient. D'accord. Bah, le problème, c'est que c'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'Electronic Arts. Tout le monde fait ses propres manifestations, donc t'as plus. Ah oui. Sony Alcien, Microsoft Alcien ou autre, etc. Donc. Tout le monde a son cadre, tout le monde a créé son festival, donc à partir de là. Y'a personne sur le serveur des BAD? Qu'est-ce qui se passe, y'a plus personne. Hier soir, pareil, il s'est vidé à une vitesse le serveur. Ah bah, y'en a qu'un argent en face. Jack. Ah ouais? Les deux serveurs Bad Boy, y'a personne. Y'a dû avoir un crash alors, parce que moi il était quasiment plein quand je suis parti tout à l'heure. Ah ouais, on a un joueur en face. Marrant. Par contre, moi je prends deux cas. Je vais tenter d'en faire une autre demande juste pour prendre deux cas. Il monte un peu, mais ouais, c'est. J'aime bien le TK comme ça. Mais même sur les autres serveurs, c'est moi qui déconne. Même les autres serveurs, personne dessus. Ah, là, t'as un problème alors. Tiens, mais qu'est-ce qu'il est nul, mon collègue au canon. Ah, viens me récupérer au pire. Plus de mav. Ah, c'est toi qui l'as éclaté? Ouais. Exactement. Bon, après un 76 kill contre l'IA, ça compte pas, hein, qu'on soit d'accord. Ouais, ça confirme ce que je pensais de l'AEK. J'ai pas pu bien le tester en route avant de te rejoindre, mais ouais, les réglages sont en normal, ils marchent bien là. T'as mis l'autokill en cas de kill allié aussi? Ouais. Ah oui. Ah,
on a gagné. Vous avez fait un travail spectaculaire. Ah, y'a un mec en face, j'avais pas vu. Ah bah, il a fait 31 kills. C'est cool. Moi, j'ai peut-être un peu triché, moi. Non, 76, non. C'est pas beaucoup. Ouais, c'était pas beaucoup, vu le temps que j'ai passé dessus. J'aime bien les skins des IA. Je suis à deuxième escouade. Je vais relancer là. Vas-y, on relance et on va retester pour voir ce que ça donne. Je vais relancer avec les nouveaux réglages. Hop, je relance. Il y a l'époque où tu pouvais farmer les maîtrises contre l'IA est fini depuis longtemps, hein. Allez, on a du... Alors, une erreur, c'est survenu. T'as fait une déconnexion générale. Ouais, j'ai fermé le serveur, ouais. Eh bien. Bon, c'est pour ça l'erreur que t'as. Ça a pas pris en compte ? Héberger. Ah si, ça marche. Ah bah tiens, rigueur. Vu qu'on est là pour tester des trucs sur ce serveur, on va faire. Ça marche pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah si, t'es... C'est bon, tu l'as? J'attends que tu me disais qu'il soit up et je vais chercher dans les serveurs. Ah bah pop sur moi, carrément. Ça dépend, t'es russe ? Je sais pas. Je sais pas, où c'est que tu le vois ? Non, je suis américain. Pardon. Ah, pas bien. Ouais. Ah, pour moi, t'es pas... Bah, écoute, tu fais rejoindre un serveur, du coup, au lieu de me rejoindre à moi. Comme ça, tu seras contre moi. C'est ça. Parce que j'ai envie de monter le cas à 52. Il est pas encore apparu dans ma file. Nommé JCJ. Ouais. Ils vont trouver. Ah, ouais. C'est bon, t'es là. Alors, qu'est-ce que j'avais modifié déjà ? Le drop. Le drop et... C'est tout, non ? Je crois que c'est tout, c'est le seul truc où dans les paramètres... Les autres paramètres, t'as regardé, t'as pas trouvé, donc je crois que c'est le seul que t'as modifié. Ouais, l'ancrage, ouais, elle a la visée, ouais, ça c'est normal. Toi, Nico ? Ouais, pareil. Coucou. Allez, je te laisse tranquille. Bah non. Bah non. Alors, ça fait hyper bizarre si t'enlèves le... Si t'enlèves le... Arrête, hein, dégage. Attends, j'ai gagné de l'XP. Je te suis. Mais ça, j'attends que ça pop là. Ah, ça y est, ça pop. Moi, il y a du pop dans mon spawn, hein, si tu veux y aller. Hein. Ah, mais c'est bon. Je fais la chasse au véhicule, moi. Voilà, en voilà un. Bam. Par contre, les roquettes antipersonnelles contre les véhicules, faut que je change ça, moi. J'ai envie de tester les double canons de 30 mm en tant que pilote sur EK. Demande ce que ça donne. Comme hélico, ouais. Je
Oh putain, c'est quoi cette arme de merde? À gauche, contre... Ah, je crois que je me suis crashé. Non, j'ai une minute trente de respawn, moi, pour reprendre un hélico. Ouais, c'est ça que j'ai modifié, et pourtant... Attends, je vais revérifier. Je viens de me cracher, je vais attendre une minute trente pour reprendre. Je l'ai mis à zéro, mais je vais vérifier un truc. Je me pose. Ah, peut-être parce que je suis lock. C'est peut-être la personne qui l'a pris qui est lock une trente. Attends, je regarde. Regarde, alors, véhicule, alors. Alors, détermine les délais de réparation par défaut du véhicule, valeur inférieure à 1, accélère les réparations. Donc, j'ai mis 0. C'est bizarre parce que à 1, c'est 1 minute 30 aussi. Est-ce que ah 0, non, c'est... j'avais mis 0,1, c'était 1 minute 30. Ah, 0,1, c'est une 30. Ouais, 0,1, c'est 1 minute 30, ouais. Et là, j'ai mis à 0. Et c'est 1 minute 30 aussi. On a sécurisé le secteur alpha. Ouais, est-ce que c'est peut-être le minimum? Ouais. C'est bizarre ça quand même. Ouais. J'ai eu la cible. J'ai testé le Colt contre les. Contre les IA, puis après j'irai faire un petit tour en multi. Contre d'autres joueurs. Putain, mais... Bon, hein, file-moi ce canon là. Marche bien avec pistolet. Ok. Oh putain, il pilote. Putain, mais impossible de prendre le point, ces connards, ils prennent pas. Hein. Ouais, non, je l'ai. Les premières opérations sont prometteuses. Contient plusieurs objectifs. On a pris un objectif. Il faut te faire un blague d'appeler un Wildcat pour te descendre. Coup de Jack. Ah, j'ai testé la RM68 aussi comme arme. Ouais, elle est pas mal, celle-là j'aime bien. Nos troupes viennent de prendre le secteur charge. Elle est pas mal du tout. On a sécurisé la plupart des secteurs. Je suis tombé sur une équipe de nazes encore. Putain, ils sont impossibles de prendre le C1. Peut-être que maintenant l'hélico est revenu. Oh, mais c'est n'importe quoi là, c'est... Putain. Oh, attends, modifier mon équipement d'hélico. Au G57, il arrive à me niquer ce con. Ça marche bien, Storm. Good Jack. Ils sont tous en train de camper, et... oh, mais ils ont rien compris au fait. Les gars! Ah non, c'est pas toi. Non, moi je suis encore. Nos ennemis contrôlent le secteur alpha. Ouais, si tu veux que je vienne t'attaquer, je peux, mais. Je
T'es équipé quoi comme roquette, toi? Oh, putain, mais il couche! Couillon, va! Je suis en train de me dire un truc dans ton réglage. Faut peut-être pas mettre 0 pour respawn. Faut peut-être mettre 0,0000 quelque chose. Pardon, attends, j'étais pas... Pour ton véhicule, le temps de respawn. Oui. Faut peut-être pas mettre 0, faut peut-être mettre 0, quelque chose. Eh ben j'avais mis 0,1. Oh mais c'est quoi ça? 0,1 c'est 1 minute 30. Eh ben justement, 0,00001. Ouais, je vais essayer, ouais. C'est impressionnant le... Waouh, depuis qu'ils ont mis gratos pour les PS5 et tout là. Largage de ravitaillement prêt. Ah, ou peut-être il faut. Tu peux mettre 0 ou pas du tout? Comment? 0, c'est une valeur que tu peux mettre ou pas? Oui. Oui. Il faut essayer de mettre. Il faut peut-être essayer de mettre 0, peut-être que c'est une valeur pleine que je prends en compte. J'ai dit, t'es en face. Un écho. Ouais, je suis en cas, moi. Je suis à côté. Je tire pas dessus. Voilà. On est tous les deux en train de monter. Si j'avais un copilote digne de ce nom. Là le mec... Ou alors c'est moi qui pilote mal, mais... Oh lui il nous a fié. Il y en a qui sont bons hein. Tu vois ça par exemple, l'IA fera pas ça, par exemple. Dégage. Fais gaffe. Mais t'es sérieux là? J'ai des grosses roquettes. Bon. Si on ne les arrête pas, les forces américaines vont prendre tous les secteurs. Par contre, l'IA ne joue pas du tout avec les Stingers, ça c'est dommage. Alors, je peux pas me poser pour réparer parce que l'IA prend ma place, t'as une culerie de trucs là. Ça c'est bas, j'imagine me faire descendre par un sans recul moi. Et s'il décolle, je suis obligé de lui dire de revenir quand. Cogno. Bon. Allez, je vais tester le Colt 45. Ah non, là il redécolle pas, ouais, c'est bizarre. Ah bah. Hors zone il redécolle pas, ah c'est bien, bon à savoir. Ouais, le drop des armes, je confirme, ça m'a été pris en compte. Aïe, j'étais cuté. T'as choisi la difficulté de l'IA ou c'est par défaut? Par défaut, il s'adapte à ton. Je sais pas, par défaut. Ouais. Après, ouais, on peut mettre un IA plus balèze. Hein. Non, c'est la question que je me posais, tu vois. Quand je joue solo là, sur un truc solo là, je mets IA difficulté max. Ouais, pareil. Moi, je m'amusais à ça. Ouais, moi c'est trop facile, mais. Ben, il faut pas. Ça rigole pas, hein. Non, mais. Au max, hein. Par contre, moi ça monte pas mes véhicules, hein. Ah merde, j'ai fait un TK là. Ouais, je suis de la partie. Ça monte pas tes véhicules? Ouais, moi ça monte pas mes véhicules, hein. C'est ce qu'on fait. On a pas de groupe en fait. Ah ok. Parce qu'on teste des réglages de serveur qu'a fait Jack. Ça veut dire quoi? Il a créé un serveur avec des réglages spécifiques qu'on teste. Normalement, XP pleine, il est marqué. Enfin. Il y a juste
Ah, mais si ça monte pas les maîtrises, ça monte pas les véhicules. Ben, non. À mon avis, c'est ce que je suis en train de me dire. Ah, ouais. Alors, parce que normalement... Alors, attends. Je crois savoir. Poser encore. Mais c'est, ça va être les bottes, hein. Faut pas qu'il y ait de bottes. Non, en fait, ça dépend du mode de, des bottes. Des modes IA, je crois. IA, JCJ ou JCE. Tu vois ? Il y en a deux. Alors, attends. Bien, JCJ. Termine l'étudier. Un Shepard, tiens! Tiens, Shepard, t'es pas dans ton Normandie, bouffe ça! Alors, ben, si je sélectionne JCJE. Tac. Progression des rames maîtrise est limitée, tirami, modificateur santé, modificateur. Joueur contre joueur. Attends, ça me l'a pas validé. Tu débloques des trucs avec ton véhicule ? Non, non, c'est vrai, ouais, modificateurs de véhicule ont été changés. Non, non, en fait je suis en maîtrise limitée, alors attends, je regarde un truc. Si je mets pas d'IA pour voir. Si je mets pas d'IA, ça te remettra XP pleine. Alors, non, il n'y a pas d'XP pleine. Non, non. Non plus. Pourquoi ? Il y a un paramétrage alors, quelque part qui va pas. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Alors la base. Conquête. Rotation de map normale. Mode de jeu. Base. Peut-être conquête. Putain de bordel! Alors, ça. Ah, ça y est, ouais, ça y est, je sais pourquoi. Mm-hmm. Oh le bâtard, on s'en regarde. C'est bon, c'est les conquêtes. J'ai mis les conquêtes élargies. En conquête normale, t'as tout qui marche, t'as tout qui fonctionne. Ah, ok, donc vous enlevez conquête élargie. Ouais, apparemment, ouais. On regarde. Je vérifie quand même détail. Alors, ah, ok, ok. Ah d'accord, il faut que je re-règle tout en fait. Oh merde. D'accord. Alors 1,5 de la tête, pas d'aide à la visée. Chargeur. Envoi tirami, oui. Gadget libre, non. Action arme. Soldat. Position allongée, non. Oh, tu rigoles. Ça, c'est pour pas avoir de repos. Option anti-repos. Excuse-moi, renomme option anti-repos. Anti gène de santé, non. Après, tu peux mettre la onvée. Enfin, moi. La onvée, justement, tu y mettras plus. Ce sera plus simple des one shot. Tac. On n'a pas réussi à tenir l'objectif à part. Non. Ok. Mais tu es passager, oui. Tac. Mini carte, non.
IA. Si vous voulez faire un tonneau. JCE. Si vous voulez faire un tonneau, ça marche pas. Non, JCJ plutôt. Enregistré. X est pleine. Ouais, c'est ça. Tu veux, on recommence. Ça peut recommencer. Essayons. Ouais, c'est... Puisque ça. De toute façon, ça valide rien alors. Essayons, voir si ça fonctionne, ouais. Je ferme le serveur par contre, je suis obligé. Vas-y, vas-y. Là, XP joueur, XP maîtrise, XP ruban, mission hebdomadaire. On peut tout faire. Ah, et on bien, joue contre ça. Des bots quand même. Vas-y, vas-y alors. Héberger, héberger. Héberger. Alors, peut-être qu'il faut... T'es sorti de la partie là ? Ouais, c'est bon. Oui, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Ah ouais, c'est bizarre que en conquête large tu peux pas mettre. Tu fais bizarre, sûrement ça. Que. Moi je pense que c'est... Enfin, c'est déjà même bizarre qu'avec des bots tu puisses déjà t'XP déjà. Ah ouais, dès que tu. Ah ouais, d'accord. En conquête large, t'as pas d'XP à. Ah d'accord. Ça, c'est marrant. Alors j'arrive, on va continuer à faire les tests. J'avais pas capté qu'en fait il y avait rien qui montait, mais je pensais être à fond un peu partout. Un sous-marin que nous avions perdu a été retrouvé à Alang, en Inde. En plus de saccager nos biens nationaux, il pille nos systèmes d'armes les plus secrets. Nous devons ouais, justement de voir. Notre infanterie navale va se déployer sur le champ, coopérer avec elle pour empêcher les Américains d'établir leur présence. Attendez-vous à une lutte acharnée. Ouais, par exemple, le fait que tu multiplies pas les dégâts généraux des. Tu multiplies pas les dégâts des véhicules non plus. Et les mecs en véhicule, ils ont plus de mal à te tuer. Hein. Oh, oui, totalement. Hein. Et ah. Les véhicules sont plus durs à détruire aussi. Ah, je crois que ça n'a pas validé. Ah putain, ça n'a pas validé. Le JCE, ça n'a pas validé. On n'a pas de bot. Bon, je recommence. Mode JCJ. Oh, ah, je me suis trompé, je crois. C'est malaise. Merci. Ça te fait rire. Totalement. Comme ça, je sais que j'ai un kill de plus dans mon cas. Comme ça. Oh. Ah, même pas. Non, ça va pas même pas prendre en compte. Tu auras 143. Qu'est-ce que tu préfères comme map? Celle que tu veux. Celle que tu préfères toi. Tout sauf sablier. Ouais, j'ai même pas. Et pour te dire, je gagne pas d'XP du tout. Peut-être que ça n'a pas validé du tout. Alors, on va mettre Kaleidoscope. Renouveau, bof. Elle a un même bof. Port d'Afrique. Port d'Arica? Elle est vendue. Arica, t'aimes bien? Allez hop. Ils sont sur l'antenne là. Allez hop, tac. Alors, on recommence tout. Alors, nombre de joueurs 64. Temps de jeu 45. Nanana. Limite 1. Modifier le rapport 1. Jouabilité. Dégâts généraux 1. Pyrami, oui. Vitesse de projectile, classique, placement d'artifice, oui. Tire dans la tête, 1,5. Multiplicateur dégâts corps, 1. Ah, les médics, il va pas me soigner, ce connard. Bien reçu, véhicule en approche. Ah non, je vais ah, moi, les mecs, ils commencent à me gonfler au snipe. Je vais m'amuser à le prendre parce que... Multiplicateur vitesse de renvoi de dégâts de pyrami, oui. Hop, soldat. Dégage de sprint, vitesse de déplacement. Quoi? C'est bon de naze.
Véhicule. Délai d'apparition véhicule 0,01. Marc. Essaye de mettre 0 pour voir. 0, c'est ce qu'il y avait déjà. Fais gaffe, ça a modifié quelque chose. Véhicule simple. Santé maxé. Test de régène. Porte de véhicule, oui. Demande de véhicule. C'est quoi ça? Quand on appelle les véhicules par B. Ah ouais, d'accord. Indicateur sieste passager, oui. ATH mini carte, non. Menu plus, identification alliée, oui. Cible dessus. Réticule autorisé, ok. IA. IA, JCJ, du coup. Vérifie. Ah, c'est ça. Difficulté. Avancée. Squad mix autorisé. Attention, ok. Vitesse de déplacement, c'est par défaut. Ok. Équipe terminée. Sauvegarder. Ah non, restreint. Ah, alors pourquoi c'est restreint? Salut les coupés! Salut Jeremy! Salut Jeremy! Salut! Alors pourquoi c'est restreint? C'est restreint aussi. Ah mais non, c'était pas les cartes alors, apparemment. Ah ouais. Ah c'est. Ah ouais, c'est les IA. Ah non, c'est pas ça non plus. Là, je comprends pas. Oh bordel! Bonne question à vous. Nos troupes ont pris le contrôle du secteur Alpha. Je veux s'attendre à recommencer. Tu finiras par trouver. Ouais ouais. Et moi je vais faire une petite partie vite fait, puis après j'arrêterai. Les ordres viennent d'arriver. Okay. Notre escouade va être déployée. T'as créé un groupe, Lef? Non, attends, je vais le faire. Je suis en file d'attente, ouais, vas-y. Ouais, attends. Ouais, c'est bon, je suis mort. Réponds pas, Baster, autrement ça va te faire redémarrer, Billy. Ouais. J'aurais dû de répondre, comme ça j'aurais pu prendre la place. Oh bordel de merde! Ah putain, c'était quoi ça? Ah putain, je me suis... Ah d'accord, je me suis trompé. Bon, alors on commence. L'objectif est réduit de moitié.
Bordel, les snipers de merde. Ouais, il y a que ça. Allez à cette position. On vient de perdre le contrôle d'un objectif. Menace éliminée. Bravo 3 a été pris par l'ennemi. Grenade. Objectif Alpha sous contrôle. Le secteur est sécurisé. Oh le Ranger, j'ai ici. La majorité des secteurs est sous contrôle. Bon, à côté. Tu as repris le M416, Lef ? Non. Non. Il est pareil qu'avant en fait. Ah, moi j'aime bien le M416. Moi j'ai monté plutôt facilement les 40 levels. Là je la trouve bien M416, comme dans les précédents. Bien précise ou autre. Pareil, je l'avais monté. Je l'avais monté aussi, mais j'ai pas envie de rejouer avec. Le secteur Bravo a été sécurisé. Oh putain! Où est-ce qu'il est lui là? J'aime que les ennemis rampent à mes pieds. Oh non putain mais c'est pas possible. C'est loin. On doit bouger là-bas. Les alliés combattent sur l'objectif Charlie 2. Oh mais merde, me fait chier lui hein. Sur ma position. Ok. C'est plus de merde. Ouais ils arrêtent pas de passer dans la... devant la fenêtre du fort. Il est à ta gauche ou à ta droite, Lef? Il était en face de moi dans la descente, enfin la montée qui vient de C1. Ah, Il y en avait deux, j'en ai buté un, mais... Ah putain merde, oh. Tu passes devant moi, excuse-moi, mais... Vous avez quitté la zone de combat. C'est parce que je venais de popper et je voyais où il était, en fait. J'ai pas vu que t'étais derrière moi, il est en face. Je l'ai touché. Hein. Il est en face. J'ai vu, ouais. Il a pas une balise, là? Tu vas en mettre une, tiens. Ouais, il est mort dans son spawn, l'autre. Okay. Nos troupes ont capturé le secteur Charlie. Envoyez un véhicule blindé. Demande bien reçue. Largage de véhicule imminent. Voilà un hélicoptère. La majorité des secteurs est sous contrôle. Position d'un hélico ennemi signalé. On spawn sur C, nous? Ouais. Non. Non, c'est les ennemis. D'accord. Nous, en Amérique, nous, notre spawn, c'est A. On a eu spawn ennemi. Là, je vais faire ma petite crevure, je vais camper à Will 4 vers Earthspawn. Ah. Y'en a qui avait foutu une balise sur l'un des poteaux électriques. Sur la Kevera, sur la petite colline. Oh putain, qu'est-ce que...
disponible pour l'arrière. Nous avons le contrôle de la majorité des secteurs. Ah, ça c'était un condor sur ma... pas un condor, un anipaï. Rejoignez cette position. Eh bien, difficulté avancée, je peux te dire que ça plaisante plus, hein. Ah bah oui, avancée, au moins, il joue un peu. Mais t'as pas pu trouver comment VXP restreint, non? Je pense que c'est lié. Si, ça y est, c'est bon. C'est bon, c'est tout, tout à fond, là. Ok. En fait, c'est à cause des modes de jeu. Apparemment. Mais... Quel mode alors dans ce cas? C'est pas conquête, c'est mode de jeu. Mode de jeu? Ouais, je sais pas. C'est quoi mode de jeu? Ben en fait, mode de jeu, c'est quand tu joues en JCJ. Par exemple, si tu vas à Port Arica, il faut que tu joues comme Bad Company 2. Ah, ça dépend les maps? Ouais, c'est ça. Oh putain, merde. Il est où? Si tu choisis que des maps de 2042, ben t'es à fond et tu joues que merde. À 2042. Ah, merde. Merde, trop tard. Excuse-moi. Okay. J'ai ramassé. Hein. Je confirme, maîtrise et XP, et ruban, tout le ton break. Oh le bâtard. Ok. Ouais, les gens comprendront qu'ils peuvent pas dégommer le missile du javelin. Oh là là. Il aurait très bien faire des kills faciles. Ah merde, trop tard. Ah merde, t'es là. Je vais foutre. Hop, on va mettre là. Nous avons le contrôle de la majorité des secteurs. Oh putain! Par contre, le temps de respawn, ouais, c'est toujours 1 minute 30. On peut pas modifier le temps de respawn des vies. Bizarre, je crois. Bah alors peut-être que je me trompe, mais il y a sûrement des serveurs où c'est du respawn en 30 secondes. Oh! Ouais, mais là j'ai mis 0,01, ça marche pas. Putain! Et autre chose. Ça c'est pas le. Allez, tous les deux, hein, left là sur C, on va avoir du mal. Hein. Ouais, on va faire du frag. Hein. Moi j'essaye d'arriver, mais ça prend du temps. Char ennemi signalé. J'en ai vu passer un à gauche. D'ailleurs, il tire là. Une unité ennemie neutralisée. Il me faut deux rafales hein, la C42 hein. Putain.
merde. Oh la merde que j'ai fait avec l'hélico. Oh punaise, j'étais nul à chier. Mais sans déconner quoi, j'ai même pas réussi oh, à toucher. Oh putain. Confirmé. Il me fait chier l'autre vaisseau à 26 là. Le problème c'est que je pense que t'auras difficilement un meilleur fusil mitrailleur que ce qu'à 26. Hein. Et à tout pour avec Storm. Précision, cadence de tir. Qui ça? Laquelle? La 26. Ah la 26 ouais. Moi je pense que t'auras difficilement mieux. Tiens, je joue avec John McClane. Ça me fait penser à un film tout ça. En pleine tête, Mike. On vient de capturer le secteur Charlie. Bon, voilà, ça c'est fait. Tous les ennemis battent en retraite. Vous avez été à la hauteur, sans patrie. Leur premier fait 5-13. 16 flaques quand même. Ils ont bien joué les flaques. C'est pour ça qu'il est premier. Ouais, ouais. Ouais, ils ont bien joué les flaques. Ça change. Rejoins-nous là, Kelly. Ouais. Attends, j'envoie les. Ouais. Pas sûr. J'ai entendu voir des gueules. Je dois y aller à 17h. Ouais, attends, j'arrive. 30 secondes. Nous, en tout cas, on va s'arrêter ici, parce qu'effectivement, je vais pas pouvoir finir mon stream. J'ai pas envie de vous couper, partir en pleine partie. Je sais que je vais bientôt devoir partir à titre perso. Donc c'est là qu'on va arrêter le stream. J'espère que vous avez toutes et tous passé un bon stream. La ruée, je suis désolé, on est tombé sur une mauvaise map, on est tombé sur des joueurs qui jouaient pas trop, donc c'était pas agréable à regarder. Les parties avec les bots, c'est plutôt bien passé. On a passé beaucoup de temps à regarder pour des paramètres le serveur. Moi, je pense que le serveur voilà, a du potentiel. Parce qu'on arrête de toucher au TTK, à part en pleine tête, mais ça récompense à viser. Donc pour moi, c'est un plus de plus. Donc à voir ce que ça donne, peut-être que j'y retournerai par la suite sur ce serveur qu'on a tenté d'aider à créer. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir regardé ce stream, c'est une bonne journée, je vous dis à bientôt, au revoir.